Bon, grâce à Dieu d'avoir permis que nous puissions déposer notre candidature ce dimanche sous une belle pluie. Je crois que ce n'est plus le temps de belles promesses, c'est le temps de passer à l'action. Il est temps que ça change et je crois que les problèmes de Kinshasa et des Kinois, nous connaissons tous. Nous allons avoir le temps de présenter notre belle vision pragmatique et réaliste pour changer Kinshasa. Il est temps que ça change pour un nouveau Kinshasa, une nouvelle image, un nouveau visage de Kinshasa et de transformer la vie de nos concitoyens. Et c'est possible. Je sais salubrité, on connaît tous les problèmes, mais c'est possible et on va démontrer que c'est possible. Il faut juste que nos chers honorables députés provinciaux démontrent que aujourd'hui c'est plus une question d'argent, une question d'achat de voix, c'est une question de conscientisation. Il y a un besoin de réel changement de la vie de nos concitoyens et nous sommes prêts à relever le défi, à faire le travail qu'il faut et vous allez nous juger sur les faits. C'est l'imagination au pouvoir, c'est la créativité, c'est le pragmatisme, c'est la recherche des solutions et avec l'inspiration de Dieu, nous allons démontrer que c'est possible de rendre cette ville propre, sûre, agréable à vivre. Et pas seulement pour la commune de La Gombe, toutes les 24 communes. Je suis un natif de Kinshasa, donc j'observe, je travaille dans cette ville depuis 17 ans et les difficultés de mes compatriotes, je les vis avec eux. Donc il est temps que ça change, et je crois qu'on a besoin d'une nouvelle énergie pour changer les choses. Et lié à cette belle expertise de ma colistière,